Alors, bonsoir Amir Hassan. Bonsoir. Donc, vous êtes ce soir sur Bergerac, donc apparemment, donc, pour une soirée qui s'appelle Témoignages et poésie pour Gaza. Alors, pourquoi faut-il témoigner pour Gaza aujourd'hui ? Il faut témoigner pour Gaza parce que c'est un territoire complètement inconnu pour le public français. Parce que c'est une ville où les gens ne peuvent pas sortir et s'ils sortent, ils ne peuvent pas retourner. Donc c'est rare d'avoir quelqu'un de Gaza qui peut parler de la situation concrète dont on ne parle pas dans les médias traditionnels. Et il faut témoigner parce qu'il y a un besoin de connaître ce territoire et la vie même dans la bande de Gaza. Il faut savoir comment les gens vivent, de quoi ils souffrent et leurs conditions de vie. Donc il faut un regard de l'intérieur de la bande de Gaza. On a pourtant entendu beaucoup parler justement de la Palestine ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire un peu plus sur ce que vous avez ressenti, vous peut-être, en tant que Palestinien ? On a entendu parler de Gaza ces dernières semaines parce qu'il y avait l'agression militaire israélienne contre la population civile à Gaza. Et cette agression qui a fait 2150 morts et 11 000 blessés et qui a démoli 20 000 maisons. Et c'est pour ça qu'on a entendu parler de Gaza, parce que c'est la troisième agression militaire programmée et déclarée de l'État d'Israël contre Gaza. C'est la troisième dans 6 ans. Donc Gaza reste toujours un territoire qui subit beaucoup de dégâts de cette occupation de la Palestine, comme les bombardements quotidiens, les coupures d'électricité. Et le blocus imposé en 2006 à Gaza et qui empêche les gens de vivre une vie normale à Gaza. Donc les gens ont besoin que leur voix arrive au monde parce qu'ils sont dans Gaza, dans cette grande prison à ciel ouvert où la vie est très difficile à cause de ce blocus imposé. Et on croit aujourd'hui que pour faire changer cette situation, il faut que le monde sache ce qui se passe à Gaza. D'accord. Donc là, il y a eu un cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez ? Apparemment, des gens vont se mettre à la table des négociations. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Écoutez, j'ai vécu plusieurs agressions, plusieurs guerres, ou attaques, vous l'appelez comme vous voulez, à Gaza. Et on a eu plusieurs cessez-le-feu, ça n'a jamais été respecté. Quelques mois après, ça recommence. Le problème, à la base, c'est un problème d'occupation. Tant qu'il y a cette occupation illégale des territoires palestiniens, le problème, il est toujours là. On parle de 5 millions de Palestiniens réfugiés à travers le monde qui n'ont pas le droit de retourner chez eux. On parle de 2 millions de Gazaouis qui vivent dans une prison. On parle de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie qui vivent sous occupation militaire avec des checkpoints, avec le mur, avec la politique de l'apartheid. Le problème, c'est là. Le problème, c'est qu'il y a un État qui occupe un peuble et cette occupation est illégale d'après les lois internationales. Après, ce qui concerne le cessez-le-feu ne peut pas être respecté s'il n'y a pas des garanties de la communauté internationale, s'il n'y a pas des pressions sur l'occupant qui toujours cherche le prétexte pour bombarder Gaza ou pour continuer la construction du mur ou confisquer des terrains comme avant-hier. Ils ont confisqué 400 hectares de terrain en Cisjordanie. Ça, c'est du vol. Et ça, c'est du vol qui se passe sous nos yeux. Et il n'y a pas eu de condamnation de la part de l'ONU ni de la communauté internationale. Donc, tant que le monde ne peut pas faire des pressions sur Israël pour qu'Israël retire ses forces militaires de la Cisjordanie et cesse cet embargo et ce blocus imposé contre Gaza, le cessez-le-feu ne peut pas tenir. Parce que la situation, elle est tellement injuste. C'est insupportable. De toute façon, les gens à Gaza aujourd'hui, qui se font bombarder, qui vivent sous un blocus, ils se demandent à quoi ça sert un cessez-le-feu qui maintient le blocus, qui maintient les 4 heures d'électricité par jour depuis 8 ans, qui maintient 2 heures d'eau par jour. C'est des conditions qui sont insupportables. Alors, en écoutant un peu aussi les médias, par exemple France Culture, donc on a
Non, c'est pas dans France Culture que je crois que je l'ai entendu, c'est dans Politis. Apparemment, quand même, malgré tout, il y aurait aussi en Israël le fait d'avoir eu un sentiment d'échec par rapport à cette guerre et peut-être donc aussi l'envie d'aller vers une paix. En tout cas, que ça cesse parce que les Israéliens n'ont pas l'air non plus d'être franchement gagnants puisque le budget consacré à la guerre va imputer les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. Et on sent qu'il y a des gens qui sont peut-être... Est-ce que vous avez des liens avec ces gens-là, en tous les cas, qui poussent ce discours-là ? C'est vrai qu'il y a des pertes économiques dans l'économie israélienne à cause de cette agression militaire, mais ils n'étaient pas obligés de bombarder une ville pendant 50 jours. Donc il faut faire des choix. Soit on bombarde des civils de cette manière criminelle, soit on construit des écoles et des hôpitaux. Ça, c'est malheureusement la politique du gouvernement israélien qui est de plus en plus vers des positions extrêmes, ce qui est dommage, pas seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Il y a aujourd'hui une voix en Israël qui est une voix pour la paix, pour la justice, mais cette paix, il y en a beaucoup d'Israéliens qui l'ont compris, ne peut pas être durable si ce n'est pas une paix juste, parce qu'on a besoin de la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Aujourd'hui, le problème, c'est que tous les deux ans, Israël cherche un prétexte pour bombarder Gaza, et ça fait partie de la politique coloniale imposée sur le terrain par les forces militaires, armées israéliennes. Le problème aujourd'hui, c'est que ça fait 66 ans que ça dure. Ce n'est pas seulement Gaza, c'est aussi la Cisjordanie, c'est aussi Jérusalem-Est. C'est qu'aujourd'hui, ça fait bientôt trentaine d'années qu'il y a des négociations et qu'on n'a jamais atteint un résultat. Donc l'échec d'Israël aujourd'hui, c'est parce qu'Israël aujourd'hui est dans un impasse, ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas si il veut la paix ou il veut la guerre. C'est ça le problème. Et cette guerre, qu'est-ce qu'elle va apporter aujourd'hui à Israël concrètement? Est-ce qu'il y a dans la mentalité israélienne une idée de pousser la population de Gaza en dehors de Gaza ou occuper la bande de Gaza à nouveau comme ils ont menacé plusieurs fois, ou est-ce qu'ils veulent juste maintenir la situation catastrophique à Gaza et en Cisjordanie? Mais en tout cas, avec le temps qui passe, avec la colonisation, et on sera obligé à un affrontement prochain, je crois, parce qu'il y a énormément de violence à Gaza et en Cisjordanie. Alors je rebondis sur votre question. Vous dites donc qu'est-ce que veulent les Israéliens et je voudrais dire qu'est-ce que veulent les Palestiniens. Est-ce qu'ils veulent deux États finalement séparés avec leur possibilité de vivre dignement sur leur territoire, ou est-ce qu'ils imaginent aussi finalement un seul État où finalement cette population qui au départ est d'origine à la même culture pourrait peut-être aussi vivre en paix ensemble? Quel serait votre rêve à vous? La question, elle est là, elle est posée. En tout cas, moi, je ne peux pas savoir ce qu'ils veulent exactement, les Palestiniens. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous voulons la justice. Nous voulons une justice. C'est tout ce qu'on veut. Que ça soit un État ou deux États, les Palestiniens ont le droit de vivre sur leur propre territoire, ont le droit d'avoir leur propre État, comme Israël. Ils ont le droit d'être comme tous les peuples dans le monde, autonomes, libres, le droit de l'autodétermination. Ça, c'est un droit fondamental pour tous les peuples. C'est ça ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est ça ce que nous réclamons. Et c'est un droit que personne ne peut laisser tomber. C'est le droit de tout un peuple. On parle aujourd'hui de 12 millions de personnes qui sont concernées dans ce conflit. Alors, vous disiez donc témoignage et poésie. Alors, comment peut-on témoigner quand on est un poète? Témoigner, c'est de raconter peut-être la vie concrète, la vie quotidienne, les choses qui se passent à Gaza, la vie de l'intérieur, les écoles, les universités, les centres culturels, les bombardements, le problème de l'eau, le problème de l'électricité et les effets sur la vie des citoyens à Gaza. Moi j'essaie de parler de Gaza toujours à travers la poésie ou à travers la culture, parce que c'est un message pacifique, culturel, qui passe facilement dans la tête des gens que la politique. La politique, parfois ça peut être agaçant, mais la poésie, la littérature, ça a toujours réussi à réunir les gens. On connaît notamment Mahmoud Darwish, qui est aussi un célèbre poète palestinien. Qu'est-ce qui vous a mené à la poésie et quelles sont les influences qui ont fait que vous avez décidé d'être poète, un poète publié, puisque je vois qu'il y a eu Le Temps Bizarre, Le Battement de la Rue, c'est ça? Vous avez écrit aussi une nouvelle, Le Premier Visage fait le Dernier Voyage, c'est un très beau titre. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené vers cette écriture et une écriture plutôt poétique? Moi, j'ai commencé à écrire en arabe quand j'avais 16 ans.
Et quand j'ai appris le français, j'ai commencé à apprendre le français en 2009. Deux ans après, j'ai écrit en français parce qu'il y avait un concours d'écriture organisé dans notre département. Et quand j'ai gagné le concours, ça m'a permis de venir en France. La deuxième année, j'ai gagné le même concours. J'étais revenu en France. Et après, j'avais participé à plusieurs concours, toujours dans le domaine de la nouvelle francophone. Et donc, j'ai eu plusieurs prix, ce qui m'a permis d'avoir plusieurs voyages et de rencontrer des gens dans la société littéraire en France. Mais aujourd'hui, il y a un besoin personnel de m'exprimer en cette langue, la langue française, parce que c'est une langue d'ouverture mondiale, c'est une langue de liberté, et donc ça me donne le sentiment de communiquer quelque chose à travers toujours la littérature. Et la poésie, ça m'a toujours passionné parce que nous, dans les écoles en Palestine, on apprend beaucoup la poésie. C'est quelque chose qui est très présent dans les cursus scolaires. Donc ça m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu écrire ou essayer d'écrire. Et donc j'ai vu que donc pendant finalement ce mois d'été, vous avez fait un peu une tournée dans toute la France justement pour témoigner et donc aussi faire connaître votre poésie. Qu'est-ce que vous en ressortez alors de cette série? Parce que je crois que vous avez été en Auvergne, c'est ça? Enfin, il me semble que vous avez été dans différents endroits. Donc qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce qui en ressort alors de tous ces contacts et pas le fait de rester simplement à Paris où j'imagine que sinon vous êtes en temps habituel? Ce que je découvre à chaque fois, c'est que la France est un vrai beau pays, ça c'est clair. Mais ce que je ressens, c'est que c'est important pour moi de voir la solidarité, parce que ça nous aide énormément au niveau du moral, ça nous aide pour continuer cette lutte, ça nous aide de voir qu'il y a des gens qui sont sensibilisés, des gens qui commencent à comprendre finalement que les Palestiniens ce sont pas des terroristes et que ce sont des gens qui ont le droit d'exister, de vivre et qui ont le droit d'avoir leur état. Et communiquer avec les gens, ça me donne beaucoup d'idées aussi, ça me donne beaucoup d'espoir. Et les liens sont forts en France. Il y a beaucoup de mouvements de solidarité. C'est un grand billet de solidarité, pas seulement avec la Palestine, mais avec beaucoup de causes étrangères. Et je suis fier de cette culture de solidarité. Donc moi, ça me réchauffe vraiment le cœur quand je vois l'accueil, les gens. Et c'est très intéressant aussi de faire les débats, parce que les gens parfois nous posent des questions qu'on n'a pas forcément dans la tête, ce qui nous fait réfléchir. Donc c'est très important d'aller toujours à la rencontre des gens, parce que les gens, c'est la vraie voix de la rue, la vraie voix de la République. Donc j'ai besoin de savoir ce que pensent les gens avec le temps, comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils en disent. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la présidente de Dordogne Palestine. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi avoir invité Amir Hassan aujourd'hui, donc sur Périgueux et sur Bergerac, si j'ai bien lu le petit flyer? Il a une qualité, c'est d'être des Gazaouis. Et avec ce qui s'est passé à Gaza en juillet et août, je crois qu'il y a ici à Bergerac, comme dans tout le département de la Dordogne, une oreille attentive à ce qui s'est passé dans cette partie de la planète. Tout petit territoire qui a reçu beaucoup de bombes et qui est surtout, subi avec le reste de leurs frères palestiniens en Cisjordanie qui subissent une injustice depuis tellement très longtemps. Donc il me semble qu'il y a effectivement en Dordogne, qui est un territoire de résistance, une oreille attentive à ce qui se passe dans le reste de la planète quand des hommes, des femmes subissent l'injustice, ne peuvent pas prétendre aux droits auxquels ils ont droit, justement. Je pense ne serait-ce qu'à la justice, je pense à un État, je pense à pouvoir circuler, à pouvoir battre monnaie. Je crois que la Dordogne qui a résisté, qui est le pays de Jacques le Croquant, se doit aujourd'hui de se mobiliser pour la Palestine, pour Gaza. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour être pro-palestinien, parce que souvent on dit « vous êtes pro-palestinien vis-à-vis des... » Non, nous voulons la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, mais pour cela, il faut que le droit s'impose. Voilà. Alors justement, qu'en est-il de cette mobilisation? On a l'impression qu'en tout cas, au niveau du gouvernement, le discours est... a été parfois un peu choquant. Donc, est-ce que vous pouvez... qu'en est-il de la mobilisation sur le terrain, alors?
Alors, nous avons fait signer durant toute cette période une pétition pour demander que le peuple palestinien soit sous protection internationale. Nous avons obtenu plusieurs centaines de pétitions qui vont rejoindre toutes celles qu'il y a au niveau national et international. Je crois que c'est justement par l'action, par la persévérance, par même en temps de cesser le feu, continuer à dire que ce qui se passe là-bas n'est pas juste, que l'on pourra faire bouger et nos dirigeants et les dirigeants européens, sans parler bien sûr des Américains, mais je pense que pour ce qui nous concerne, faire bouger les dirigeants européens et la France, qui peut être moteur dans ce cas-là, je le pense. D'autant plus que l'arme des pauvres vis-à-vis des plus a été bénéfique en Afrique du Sud, je veux parler du boycott, et commence à se lancer une grande campagne au niveau national et international sur le boycott des produits israéliens, surtout que beaucoup viennent des colonies illégales. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette campagne de boycott ? Il y a une campagne internationale qui s'appelle campagne BDS qui a été qui a débuté en 2005 à l'appel de dizaines d'organisations palestiniennes qui demandent elles-mêmes que les citoyens du monde entier se mobilisent pour justement qu'ils aient ce réflexe citoyen de ne pas acheter les produits israéliens. Surtout venant des colonies, voilà. Et il y a un relais au niveau national, il y a BDS. BDS, c'est boycott. D, c'est désinvestissement. Et S, c'est sanctions. Nous demandons donc que les citoyens boycottent les produits, que l'Union européenne et les pays désinvestissent là-bas, puisque nous avons des entreprises françaises qui sont à l'intérieur d'Israël, qui investissent y compris dans les territoires occupés, et sanctions. Nous demandons également à ce que les États sanctionnent, soit en suspendant des traités, des accords commerciaux et des accords d'armes, surtout avec Israël. Quelles sont les prochaines actions de Dordogne Palestine ? Les prochaines actions, il y aura en novembre, alors il y aura d'autres choses d'ici là, puisque nous avons, tous les 15 jours, nous nous réunissons pour savoir quelles sont les initiatives que nous pouvons prendre. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y aura une semaine pour la Palestine du 23 au 27 novembre. Et il y aura une action dans, il y aura six jours dans une ville différente, et qu'il y aura une action, je me rappelle plus, je crois que c'est le jeudi de cette semaine-là, une action sur Bergerac. Merci beaucoup. Voilà, merci. Qu'allais-tu faire à Gaza entre les ruines des souvenirs et les cadavres des roses, entre les maisons du camp et les verbes du passé simple, entre les vagues aveugles qui embrassent tes pieds et le sable brillant qui te brûle les yeux? Entre un ciel qui ne ressemble à rien et un temps quand il passe, il ne passe pas. Entre ces gens perdus sur le chemin de la vie et entre ces deux destins jumeaux qui s'entretuent. Qu'allais-tu dire à Gaza, à part les mots recomposés de tristesse et de peur, à part les mots muets qui font la manche par pitié, à part des phrases où le sujet est orphelin et le verbe est un martyr, à part ces paroles qui se suicident sur le carrefour des mots? Qu'allais-tu dire à Gaza ? Qu'allais-tu faire à Gaza ? À Gaza, ne dis rien, ne fais rien. Écoute le silence de la mort quand elle passe la tête inclinée. Elle n'ose rien dire face à cette montagne de courage. Amir Hassan.